Give me well. Non, je suis. Tu as fait quoi? Il est loin là, viens là. Il a tué. Tu as mangé? Il dit quoi? Oui, maintenant qu'est-ce que tu dois faire? Il est loin là, il est loin là. Il est loin là. Il est loin là. Il est loin. Je veux ta guérison. Tu restitues sa chair. Je restitue sa chair. La vie entre en toi et la mort est chassée. Chassée au nom de Jésus. La mort est chassée au nom de Jésus. La mort est partie au nom de Jésus. Et la vie entre en toi. La vie entre en toi. La puissance de Dieu te rétablit et maintenant. Cette puissance de Dieu te rétablit. Oh Dieu, merci. Merci de ton talent. Merci pour les miracles. Merci pour la délivrance. Tu t'accordes à ta sœur. Merci. Tu es libéré au nom de Jésus. La semaine prochaine, tu vas dans le témoignage. Tournez à la caméra. Prends le bon ici. Oui. Les sorciers, c'est les. Ils sont pas bons, hein. C'est la haute trahison. Tu dois être quelqu'un. Tout ça, vous dormez des gens, vous les maîtrisez pas. Pendant que tu dois aller, il y a une autre manière de te voir. Il te voit en cabri. Tu vois une viande près de lui. On dit quoi? Il ramasse son cœur, son âme. Que j'ai mangé. Ah, tu as mangé ça? Tu n'as pas mangé? Son cœur. Tu n'as pas mangé? Et sa santé. Tu n'as pas mangé? J'ai mangé. Ah. Allons-y. Il avait son âme. Depuis que la puissance de Dieu libère ton âme, au nom de Jésus. J'annule la mort sur toi. Communiquant la grâce et la vie au nom de Jésus. La vie qui naît en toi. Seigneur, merci pour ce miracle parfait. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Vas-y. Jusqu'à dimanche, cette boule-là va disparaître au nom de Jésus. Amen. Vous allez le revoir dans tes vies. C'est parti. Remarquez le bien comme on a l'abbaye. Il va revenir en témoignage dans tes vies. C'est fini. Le miracle est à l'œuvre. Ouais, on t'écoute. On peut le dire. Amigo, vous ne pouvez pas le dire. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Mais je vais le dire. Mais faut dire. Dis. Pas là, pas. Tu as fait quoi? Le micro ne donne pas où. Quand on a trop. Nous avons un trop. Déjà que j'ai tué. Il n'a pas les noms. Oui, il y a quand même. Aïe. Et puis aïe. C'est quand même ça. Papa, les gens, pas ta famille, les gens qui t'ont tué dans le village. Il y en a un peu de temps. Il y en a un peu de temps. Il y en a un peu de temps. Il y en a un peu de temps.
Va t'asseoir. Je n'ai pas ce temps-là. Va t'asseoir. Tu veux parler, va t'asseoir. Viens, viens, toi, petit. Va t'asseoir. Va, va. Je vais essayer. C'est bon. On va t'écouter une dernière fois. Tu es sorti? Oui. Comment t'as contacté la sorcellerie? Moi je reviens toujours sur ça. Vous voyez, je reviens pour voir la sincérité même du sorcier, de la vie. Je peux revenir pour voir quatre fois pour voir la sincérité. Ok, oui. Parce que plus il parle, ça veut dire, plus il parle, ça libère son âme, ça libère. Et la suite, c'est la délivrance. Tu es sorti? Oui. Qui t'a donné la sorcellerie? C'est la mère de mon père. Comment elle t'a donné ça? Elle m'a donné mon garmogie. Vas-y. Elle m'a donné mon garmogie. Donc quand j'ai fini de manger la main, quand je suis partie me coucher après, je suis réveillée dans mon garmogie. Vous pensez à des chocolats? Oui, allons-y. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Le problème, c'est du coup. Je suis retrouvée dans un document, elle m'a donné de la viande. Dernier, après, elle m'a dit de prendre les places de mon père et de l'emmener. Oh, là, elle dit de prendre son étoile. Elle y va? Elle dit de prendre son étoile. L'étoile est prise. Bonjour, salut. Oui, oui. On va voir comment il s'appelle. Aujourd'hui, hein? Nous allons prier. C'est Yodé, Siro, c'est Yodé, c'est la fin de Yodé. Yodé, Yogo. Voilà, donc tout à l'heure, on va prier Latis Zouloumane, là, c'est son fils. Yodé, Yogo. C'est le fils de Yodé. C'est sa chance, il a bloqué. Aujourd'hui, et c'est son papa qui l'a fait venir ici. Non, non, il est. Voilà, son papa en France, je crois, dans ce temps, il a Gaza. Le Maroc, mais dans sa France, il sera ici. Il va venir à Ligo, je vais lui demander de venir immédiatement. Oui, je crois qu'il a vraiment marrant qui va venir si Thibault va achever le travail. Je lui ai dit, tu as vu, j'ai délivré la tour, la presse a pris ça pour faire un problème. Elle va interdire. Elle a fait ça, elle est doucement, doucement avec ça. C'est pas moi qui l'a frappé, il a commencé à parler depuis. Depuis la France. On l'a envoyé ici. Comme ils savent qu'on a un centre de prière, je pense que son papa m'a contacté. Yodé m'a contacté. Son fils est sorti, il l'a emmené partout, il n'a pas été délivré. On lui explique la chose clairement. C'est moi le prophète qui a dit à Yodé, ton fils est sorti. Voilà, c'est pas moi. C'est lui qui a dit son fils est sorti. Voilà, donc il faut qu'on le délivre. Il est là, je dis. Je pense ça, il est venu ici. C'est un peu l'OIP. Je suis en train de pousser sa délivrance. Or, il a parcouru beaucoup de camps de prière. Ah, oui, il a pris la main. Parce que dans sa délivrance, dans ses dits, il n'y a pas souvent de vérité, il faut que moi je le regarde. Ici, c'est dans nos spécialités. Voilà. Parce qu'on peut délivrer, il y a des gens qui sont des spécialistes. Nous sommes spécialistes de l'État. Donc quand ça se commence à parler, on peut savoir s'il ment ou pas. Or s'il ment, vous n'allez pas le délivrer. C'est pour ça qu'il faut avoir le discernement pour savoir s'il ment ou pas. Or quand il venait, les gens avaient dit sa maman est sorcière. Or quand je regarde, l'enfant, il vit en sa mère. Il prend sa mère et puis il va attaquer en sorcellerie. Moi je ne protège pas sorcier. Ok, je nomme le sorcier. Je te dis, t'es dedans. Sorcier, c'est sorcier. Il n'y a pas deux couleurs. C'est sorcier. Il n'y a pas dit noir que blanc. Non. C'est noir, c'est noir. C'est pour ça que depuis j'avance dans mon ministère. Parce que j'ai fait ça. Je ne me base pas si sorcier dit. J'écoute l'Esprit de Dieu. Et moi, je vais parler. J'en suis ici.
Oui, et qu'est-ce que tu as fait à Yodé? Et après, elle m'a dit... Qu'est-ce que tu as fait à Yodé, ton père? Elle m'a dit de prendre mes armes. Qu'est-ce que tu as fait à Yodé, ton père? J'ai bloqué son âme et après... Tu dis ta gloire. Pourtant, Yodé, on sait que c'est un grand chanteur. Il a commencé à s'éteindre, c'est fini. Tu as dit que tu bloquais sa âme. J'ai bloqué son étoile avec son âme. Son âme. Tu bloquais ses contrats. Comment tu arrives à bloquer ses contrats? Quand je l'ai dit à ma maman, elle dit sur le trois fois le contrat. Le contrat, c'est 4. Ok. Et après, elle m'a dit de prendre la tombe de sa femme, mais pas que. La tombe de Yodé, ton père. Puisque Yodé est marié à cette. Oui. Oui. A Yodé est marié à ta grand-mère. Oui. Et sa mère. Oui. Spirituellement. Allons-y. Et si on l'avait programmé pour février. Ah, vous l'avez programmé en février. Oui. Ça dit qu'en février, il va mourir. Oui. Vous l'avez tué là-bas. Oui, mais le cœur, on l'a pas commandé. Vous n'êtes pas commandé. C'est ma soeur qui la garde. Et n'est-ce pas pour ta soeur qui garde le cœur. Oui. C'est pas de ma bouche à sortir. Hein. Et où est-ce que le sorcier m'a déjà parlé. Oui, c'est bon. Hein? Et aussi, j'ai pris le corps de ma maman pour aller attaquer, qu'elle me dit d'attaquer les gens. Tu prends le corps de ta maman? Aussi, quand j'étais en Côte d'Ivoire et dans le coup, pour partir à Paris, de fatigué. Oui, vous l'avez fait? Oui, vous l'avez fait. Vous allez trouver pour fatiguer la femme de ton papa. Non, mais c'est un tout. Quand je vais la poutre chez moi, je me voulais pour partir à Paris. Quand j'arrive dans sa maison, elle m'avait donné un truc, elle dit de prendre le truc là. Il a tapé avec. Une feuille de banane. Il avait épluché. Aussi, tu as donné le cœur à qui? À ma soeur. À ta soeur. Oui. Tu as gâté qui encore? J'ai gâté mes cousins. Ils n'ont pas de nom? Si, ils ont des noms. Oui. Michael, Yann, Ivan. Qu'est-ce que tu as gâté dans la vie de Michael? Michael, Yann, Ivan. Son étoile. Et Yann, qu'est-ce que tu as gâté? J'ai gâté son intelligence. Ton intelligence, oui. Et qui d'autre? Ivan, j'ai gâté son intelligence. Ivan, intelligence. Et grâce, j'ai gâté son étoile. L'étoile, oui. Et sa soeur et Marlène, j'ai gâté son intelligence. Mm-hmm. Comment tu arrives à gâter l'intelligence et l'étoile des gens? Ma mamie me donne une poudre. Ouais. La poudre, quand j'arrive. Un bonheur. Quand il dort, j'ai dit le nom. C'était? Oui, la poudre. Elle me donne une poudre quand elle dort. Quand je dis les noms trois fois, l'être intelligence et les étoiles apparaissent dans ma main. Ah ok, quand tu parles, l'étoile là c'est comment? Tu parles avec l'étoile bien. Donc chaque personne a une étoile, c'est ça? C'est ce que vous prenez plus, quand tu vois tu es éteint. C'est ça? Oui. Comment ça? C'est un truc brillant. Et tu as gâté qui encore? Regardez mon nom.
Comment il s'appelle? Yves. Tu as gâté quoi dans la gravité de Yves? J'ai gâté son travail. Son travail. Tu as gâté qui encore? Sa femme. Sa femme, oui. Et ta mère? Oui, j'ai gâté aussi ma maman. Oui, tu as gâté quoi? Son argent. Et puis quoi? Et aussi son mariage. On y est où? La femme. On y est où? La femme de mon oncle, j'ai mis des confidences avec elle et son mari. Moi, c'est un autre. Mon papa. Même chose que ton papa. Oui. Pas là, entre lui et son mari. Mais on retourne au grand salon, il y a ta mère. Ma maman, j'ai gâté son argent. Quand elle me donne l'argent, je l'aurais donné à ma mamie. Ok, allez, il est ma mamie est là dans un truc grand. Oh, non, on dit de lui. Mais tu couches avec elle? Oui. Tu n'as pas dit ça en sorcellerie? Bien. Tu vois que la sorcellerie c'est très dangereux. La pauvre mère qui se bat pour toi, elle est victime. À point que les gens même l'accusent, on dit qu'elle est sorcière. Je leur dis non. On m'a fait venir une dame de Vavoie. Ma famille est venue avec elle. Oh, non, non, non. On m'a mis à l'oreille. Oh, non, non. Elle est sorcière. On a peur d'elle. Ma j'ai dit non, c'est pas elle la sorcière. Que tous les gens ils disent non. Ils ne voyaient pas, c'est pas les voyants. Oui. Or, on peut te porter la vie de sorcellerie. Oui, donc, quelqu'un n'est pas voyant qui voit un sorcier. Or, tu n'es pas sorcier. Oui, parce qu'on utilise ton corps pour aller faire la sorcellerie. Oui. J'ai dit son jeune, on commence à pleurer. Il dit si c'est oui. Oui. J'ai encore menti chez elle. Elle me fait quoi? Elle me donne quoi? Puis elle m'a dit oui. Oui. Je vous dis exactement ce qui est vrai. C'est parce qu'il ne disait pas la vérité qu'il n'est pas délivré. Oui. Ah, c'est ça. Ah, je connais ça, ce système. S'il ne dit pas la vérité, ou bien s'il est basse, non, on ne force pas quelqu'un de frapper. Allez, quoi, on l'a frappé dans la délivrance. On l'a frappé, où il est parti, on le chicote. Et ah, quand ah, nous, on ne frappe pas. Nous voyons la sorcellerie comme une maladie. Nous allons le délivrer et son père va récupérer son fils. Parce que c'est son fils. Il n'a pas voulu être sorcier. Il lui a imposé la sorcellerie. Donc s'il est délivré, donc si tu mets un danger, il devient le fils de Yodé, tranquillement. Et nous allons le suivre, sera quelqu'un demain. Ça serait le passé. Parce qu'il y en a ici, les anciens sorciers délivrés. Il y en a plein. Ici, il y en a plein qu'on a délivré. On peut délivrer de la sorcellerie. C'est comme ça, non? Tu es possédé. Oui. Quand tu es là, qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Comme un truc bizarre dans mon corps, ça prend le deux et moi. C'est vrai que je suis encore ici, je suis pris en face à moi. Oh, carrément, oui. Oui, oui, oui. Il est comme le truc bizarre, il est comme. Il est derrière le truc. Et ce qu'on dit pour. Oh, il y a un peu de temps, on fait bon. Et c'est un truc bizarre. Ok, t'as dit. Tu l'as fait quoi? Mais tu sens qu'il y a quelque chose en toi. Oui, il s'en passe, mais quand même, c'est un bon problème. Comment? Tu vas libérer son corps au nom de Jésus. Esprit de la sorcellerie. Ça veut dire qu'il vivait, il était là, on le voyait comme enfant, mais il vit avec un esprit. Et l'esprit le manipule. C'est comme cela qu'on appelle la possession de moi. Il ne peut pas se contrôler parce qu'il a un esprit en lui. Si l'esprit part, c'est fini, il peut avoir la maîtrise. Sors! Le feu sur toi. Et ce corps, manifeste-toi ou pas. L'esprit, lâche. Voilà.
l'esprit qui vient en elle. Voilà. Maintenant, quitte. Paré! Feu! Le feu! Le feu! Le feu! Le feu! Tu vas partir? Si tu vas partir, et tu vas quitter ce corps, maintenant même. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Quitte. 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 Lâche-le. 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 Feu! Allez! Allez! La puissance de Dieu! La puissance de Jésus! La puissance de Dieu! 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 Vous voyez l'esprit à cheval entre le corps et sa mère et le corps. Les esprits sont à cheval entre le corps et sa mère et son corps. Le corps de sa mère et son corps. Le corps de sa mère et son corps. Maintenant je vais interdire qu'il touche à le corps. Et quand il veut prendre un peu. Tu quittes. Définitivement ça. Et tu la lâches. Lâche. 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 Voilà. Maintenant je peux le délivrer. Va. 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 Feu. Feu. Voilà, vous voyez, maintenant c'est facile. C'est maintenant facile parce qu'il est à cheval entre le corps de sa mère et son corps. Il faisait les va-et-vient. Or, si tu n'as pas le discernement des esprits sur cela, quand tu as un ministère de délivrance, il faut avoir le don de discernement. Et ça, c'est le plus grand des dons. Ce n'est pas pour donner une révélation qui est importante, c'est le don de discernement. C'est le plus grand des dons. Allez. Rampe. Voilà, je suis convaincu que l'esprit est là. Voilà. Que l'esprit maintenant ne touche plus le corps de sa mère. Et l'esprit est venu dans son corps. Allez, rampe. Rampe. Bouge-toi sur ton dos. Allez. Rampe. Toi-même, comment ça?
Il m'a venu me parler. Je suis pas son camarade. Amen. C'est ça la puissance et l'autorité que Dieu donne. Amen. Si Dieu t'a appelé, tu dois me donner l'autorité. Ça va? Hein? Voilà. Maintenant, il est devenu un homme normal. Oui, il est devenu un homme normal. J'explique. Quand un démon part d'un corps, il était dans son corps, il faisait de lui un sorcier. Okay. C'est ce qui faisait de lui un sorcier. Parce qu'il vivait à point N avec un esprit en lui. Je viens de chasser le démon. Et tout à l'heure, il va prêter serment. Mais j'attends que son père arrive. Parce qu'avant qu'il prête le serment, les victimes, nous avons prié pour les victimes. Voilà, sa présence. Parce qu'avant qu'on ne prête le serment, il faut que les victimes soient là pour qu'on prie. C'est une étape importante dans notre ministère. Devant Dieu, les hommes, si je retourne la sorcellerie, je vais mourir. Donc, quand quelqu'un dit ça, puis il retourne la sorcellerie, il meurt. Ok. Maintenant, après ça, nous allons prier de temps sur que le Saint-Esprit le remplisse. Parce que la nature aura du vide. S'il y a un vide dans lui, il n'aura pas l'amour. Or, le Saint-Esprit viendra en lui avec les fruits de l'Esprit. Tels que l'amour, la patience, selon Galates. Amen. Alléluia. Et après ça, il y a une certaine rééducation. En tant que chrétien, qu'on appelle la conversion. Quand vous allez voir, souvent, il y a les réflexes de la sorcellerie. On sent que l'enfant commence à continuer de mentir. On sent qu'il vole. Ça, c'est les réflexes. Parce que le corps est habitué à ça. Or, c'est l'élément que les gens regardent. Et puis, ils disent, est-ce que l'enfant encore délivré? Il doute. Il doute de la délivrance. Amen. Or, quand le démon est parti, il faut le remplir du Saint-Esprit. Il faut l'éduquer. Il faut l'habituer à la prière. Que le Saint-Esprit le forge. Dans son caractère, ses habitudes. On dit amen. Amen. On dit amen. Amen. Qu'est-ce que tu as senti? Non, regarde ici. Pas le micro. Au départ, quand vous avez mis votre main sur mon front, après, vous avez vu que mes soumis ont commencé à chauffer. Et après que vous m'avez dit de commencer à me tourner, c'était comme si j'ai plus mon corps qui m'obéissait. Il tournait seul. Après, j'ai crié seul. Mais tu sentais qu'il y avait quelque chose, un lien entre toi et ta mère. Il y avait quelque chose, ouais, c'est ce que je vais t'expliquer. Parce que pendant que je prie pour toi, je te vois entrer dans le corps de ta mère, tu lui revenais. Expliquez ça un peu. C'est passé quoi? Oui, non, mais j'ai senti que l'esprit, ton esprit entrait dans ta mère. Et ça revenait en toi, ça prendait ta mère. Là, je sais pas comment. Expliquer. Expliquer. Ouais. C'est difficile à expliquer. Oui, c'est un mystère, il ne peut même pas expliquer. Parce qu'il n'a pas dit les souvenirs, il peut se carrer à une personne. Vous voyez, il a cette sorcellerie là. C'est l'esprit de vautour. Bientôt, mon lit, dans 2 mois, ça sort. Vous aurez toutes les techniques. Vous allez voir les esprits, vous serez experts en délivrance. Vous allez délivrer les gens. Amen. Tout le monde va délivrer. Petit, les sorciers, il vient, petit, viens délivrer. Chicot se demande, sors. Tout le monde est dans le ministère de délivrance. Là, ça s'impose à vous. Vous voulez ou pas, les démons sont là. Néanmoins, le démon, pour les gens. Oh, il attend les moyens comme ça. Avant d'arriver à Divo, ton frère est déjà parti. Amen. Donc, il y avait ça, honte. Il fallait briser ça. Et c'est cela. Il faudrait que Dieu nous utilise, c'est important. Il faudrait que Dieu nous utilise. Que Dieu nous accorde l'onction nécessaire. Dieu a donné l'onction à l'église. C'est à toi. C'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas un animal qui viendra faire l'œuvre de Dieu, c'est toi. Amen. C'est pour ça qu'il faut demander la mentale l'onction de Dieu. Et c'est important. Plus tu rentreras dans cette dimension, tu verras Dieu à l'œuvre autour de toi. Et quand tu as la puissance de Dieu, Dieu se manifeste. Est-ce qu'on peut acclamer la puissance de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer la puissance de Jésus?
qu'est-ce qui est sorti de toi? Quand j'avais vu un truc, c'est comme un serpent qui rampait. Rampait. Après, quand j'ai crié, c'est comme un truc noir qui est apparu devant mes yeux, comme ça. Comme ça, et puis? Je n'ai plus rien vu. Et puis c'est parti. Ouais. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Vas-y, je t'en parle, ça va se faire un tout là-bas. Là-bas. Au pays de Chobobi. Tu vas retrouver ton père. Amen. Tout le grand cadeau, ton papa t'aime beaucoup. C'est pour ça qu'il a cherché. Cherché pour que tu sois délivré. J'ai vu ton père en larmes. Quand j'étais là, parce qu'il cherchait un endroit où son fils pouvait être délivré. Ton papa n'est pas contre toi. Il ne peut pas être contre toi. Il t'aime beaucoup, mais il avait peur de la chose. C'était pour lui la seule manière de se protéger. Oui, il fallait chercher, t'éloigner, chercher. Si aujourd'hui tu as été délivré, c'est grâce à ton père. Dans le micro, il faut dire merci à ton papa, regarde la caméra. Merci papa. Il faut dire je t'aime. Je t'aime. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Yeah, come on, watch it. I'm gonna kill you.